Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Au Fond, le magazine du leader qui nous permet aujourd'hui de recevoir un homme exceptionnel parce qu'il a aussi un message exceptionnel. Il est député national, il est pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Il a donc plusieurs casquettes. C'est un homme qui a quand même une base importante derrière lui. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans un contexte de consultation initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et en même temps, nous avons beaucoup de mouvements dans la sphère politique. Il y a beaucoup de mouvements dans des plateformes politiques. Et nous allons quand même écouter ce député national, ce pasteur. Quel est le message qu'il a reçu de la part de Dieu? Mais comme nous sommes dans Congo Market Télévision, CMTV, nous faisons à la fois le marketing de ce que le Congo a de meilleur, de ce que le Congo a de bon. J'aimerais bien vraiment le présenter, mais je ne saurais pas le présenter autant que lui-même, parce que lui-même, il pourra vous donner même des petits noms que nous n'avons jamais entendus. Donc, je reçois mon invité ce soir. Permettez-moi de l'appeler Honorable. Bonsoir, Honorable. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous n'appelons pas tout le monde honorable. Quand nous vous appelons honorable, c'est que vous le méritez. Qui êtes-vous? Je m'appelle d'abord au nom de Mouya Lumbu Eustache, natif de la province de Tanganyika, territoire de Congolo. Après mes études secondaire, universitaire, je suis entré dans l'enseignement. Mais j'aimais beaucoup le commerce, comme mon père fut commerçant. Dans le commerce, j'ai rencontré des blocages. C'était l'appel de Dieu. Dieu m'a appelé en disant, ta bénédiction est chez moi. Tu es mon serviteur, sers-moi avec la Bible que j'ai mise sur ta tête et moi je m'occuperai de ta bénédiction. Là nous sommes en quelle année? Là nous sommes en 2000, en 2000. Ok. En l'an 2000. Donc il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Et 2001, je suis devenu pasteur, indépendant, représentant légal de l'Assemblée de l'Unité en Jésus-Christ, avec son siège, sa direction générale, au Katanga, Lubumbashi, en ville, sur le boulevard Kyungu, quartier Mampala. Là où je vous parle, j'ai beaucoup d'églises. Ce n'est pas seulement Lubumbashi, une église, mais j'en ai quatre à Lubumbashi, à Kolwezi, à Likasi. Allons maintenant à Tanganyika. N'en parlons pas. Kalemi. Congolo, Kabalo, Manono, Ankoro, Nyunzu. Si nous allons à Congolo, là où je suis natif de là, là où j'ai fini mes études secondaires, les églises sont éparpillées dans chaque chef-lieu de collectivité. Et je ne suis pas locataire. Toutes les églises, ce sont des parcelles achetées cash avec fonds propres sans avoir un secours extérieur. Waouh! Bravo, bravo, monsieur le député, monsieur le pasteur. Franchement, vous êtes à saluer. C'est pourquoi j'ai dit aux téléspectateurs que je vous appelais honorable parce que vous faites œuvre utile dans le pays.
Mais j'aimerais quand même, puisque vous avez ouvert la brèche de l'évangile, de la Bible, avant que nous ne puissions entamer la partie qui va concerner la politique, nous voulons maintenant écouter, cher pasteur, cher député, le message que finalement de la part Dieu vous des dieux pour son peuple, mais aussi de la politique pour les dirigeants congolais aujourd'hui. Parce que c'est nous savons que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu établissait un roi, il n'en vient même pas la politique dans ma vie. Un prophète. Et lorsque le prophète parlait, c'était l'ainsi dit l'Éternel pour orienter le peuple, orienter le roi sur le destin du peuple. Et vous, finalement, vous êtes commerçant, vous êtes homme d'affaires, vous vous retrouvez dans la Bible. Et finalement, aujourd'hui, nous voulons quand même savoir qu'est-ce que Dieu vous dit par rapport au pays. Ok, j'aimerais terminer avec ma présentation. D'accord. Comme Socrate a dit, connais-toi toi-même. Découvre le bien qui est en toi. Mm-hmm. Écoute la divinité qui te parle à ta conscience. Très bien. Connais-toi toi-même. Je suis arrivé en politique à travers l'Église. Les actions posées en tant que représentant légal de l'Assemblée de l'Unité, avec arrêté ministériel, les églises implantées un peu partout, à Kindu, à Missisi-Bukavu, surtout Kongolo, c'est là où j'ai eu la bénédiction des chefs coutumiers. Quand ils ont vu les actions posées en dehors des églises, j'ai soutenu les pauvres. Il y a eu des maisons qui étaient brûlées. Les gens se sont retrouvés dehors. J'étais obligé de faire un tour du territoire. Sans parti pris, chez les Luba, chez les Songhe, chez les Emba, sans parti pris, je leur donnais un peu d'argent pour acheter de la paille. Comme c'était pendant la saison sèche, la période de fête de brousse. J'ai jeté 11 ponts dans mon territoire d'origine. Parce que la bénédiction de l'Éternel que j'avais, quand j'ai rencontré la pauvreté à mon territoire après une séparation de 20 ans. Quand vous parlez des ponts, excusez-moi de vous interrompre un peu. Quand vous parlez des ponts, ça signifie quel genre de ponts? Parce que généralement dans nos villages, on coupe des troncs d'arbres et on place, et c'est juste ça. Monsieur le journaliste, les ponts que j'ai jetés depuis 2008-2009 jusqu'à aujourd'hui, les camions de 20 tonnes, de 30 tonnes sont en train de traverser. Donc c'est du béton. Béton armé. Ok. Même aujourd'hui que nous parlons, j'ai encore de fer à béton à Kongolo. Et là, vous êtes déjà député ou pas encore? Avant que je ne sois député. Donc, comme pasteur. Comme pasteur. Cause pour laquelle, mes frères et sœurs, les chefs coutumiers ont parlé. Nous n'avons rien à te remettre. On vient de t'offrir une soixantaine de chèvres. Par jour, vous tuez 4 chèvres, 5 chèvres, mais toi-même, tu manges un petit morceau. Depuis que nous avons commencé à voter, tes frères, tes prédécesseurs, après l'élection, ils partent et ne reviennent plus. Cette fois-ci, postule. Nous allons te donner nos voix pour que tu sois notre représentant à la nation.
Ok. Voilà. Comment vous vous retrouvez en politique? Je suis en politique. Alors, maintenant, la bénédiction de toute la circonscription, sans parti pris, partant de vos œuvres. À partir de mes œuvres. D'accord. Alors, maintenant, vous vous retrouvez en politique. Mm-hmm. Je voudrais qu'on aille vite parce que le temps court. Oui. Je n'aimerais pas qu'on soit vraiment très long pour permettre aux gens exact. De bien comprendre le message que mm-hmm. vous avez aujourd'hui. Oui, oui. Vous vous retrouvez en politique. Oui. Et en politique, sous quel label? Et qui vous porte en politique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis en politique depuis 2006, à la période de fédéral Mouyège, actuel gouverneur de Lualaba, à Lubumbashi. Donc à l'époque, il était le président fédéral du PPRD, à Lubumbashi. Et je me suis adhéré. J'ai dit non, je vais vous soutenir. Il n'a pas fait longtemps, après l'élection, il a été promu. Nous sommes restés avec le fédéral Tolé. Okay. Là, j'ai combiné et l'église et les affaires, mais je n'étais pas encore député. Je n'étais pas encore député. Okay. Ok. Là, nous sommes en 2006. En 2007. 2007. Je suis député pour la première fois en 2011. À Congolo, élu de Congolo. Et pour la deuxième fois en 2018, élu de Kalemie-Ville. Mais, depuis que je suis en politique, c'est sous le règne du président honoraire, sénateur à vie. Je venais avec mes rapports de la base. Parlons de deux bases. De Congolo et de Kalemie. Mais je n'ai jamais été écouté. Donc tout ce qui est la population de Congolo et de... c'est encore de Kalemie. Vous demandez comme réalisation à poser des actions à poser en leur faveur. Oui. Ça signifie la souffrance du peuple. Du peuple. Oui. La souffrance. Ça n'était pas écouté. Ça n'a pas été écouté par le gouvernement. Jusque là, chez nous, non, chez moi. À Congolo Kalemie, il n'y a pas de route qui relie même le chef-lieu de la province au chef-lieu des territoires. Il n'y a pas de route. Pendant la saison de pluie, une distance de 300 km que moi, même au volant, comme je suis encore fort, que je peux parcourir 100 km par heure, 3 heures du temps, mais les gens font 2 semaines. C'est pas possible. À cause de l'état des routes. Ce n'est pas possible. Tous ces rapports sont arrivés à la destination. Ces rapports ont existé depuis 2007. Depuis 2011-12, okay. Quand je suis maintenant devenu député élu de Congolo, j'ai commencé à faire rapports. Le pont de Congolo a deux parties. Il y a la partie bétonnée et la partie non bétonnée, partie atoll. J'ai amené des scies pour abattre les arbres. Les baobabs ne sont pas achetés chez nous. C'est Dieu qui nous les a donnés gratuitement. Les planches qui étaient posées par Trabeka sont détériorés. Il y a eu même des morts qui tombent.
du pont vers le fleuve Congo, vers les eaux du fleuve Congo. Moi, je voulais faire ce travail, mais j'ai été contrecarré par un ministre provincial. Jusqu'aujourd'hui. Parce que lui voulait quoi? Il voulait prendre l'argent du gouvernement. Oui, et il a pris l'argent du gouvernement, rien n'a été fait. Jusqu'aujourd'hui que je vous parle, le peuple souffre. Il y a même les images du pont de Kongolo. Bon, là, vous êtes dans la souffrance du peuple. Du peuple. Mais finalement, vous êtes... Sous quel label lorsque vous êtes réélu en 2011. Merci beaucoup, monsieur. Réélu, c'est en 2018. Oui. 2011, membre PPRD. Ok. Parti politique PPRD, Mosaïque PPPD. Ok. 2018. C'est en politique, les combats ne manquent pas. Je n'ai pas quitté le PPRD de ma propre volonté. Mais le PPRD m'a poussé de quitter. Pour faire passer un candidat qui est le leur. Je ne sais pas faire trop de détails. Cause pour laquelle je ne suis pas parti à Kongolo. J'ai demandé au secrétaire général que je quitte le PPRD pour un autre parti politique. Au lieu d'aller dans l'opposition, je suis parti maintenant à l'AFDC, chez Bahati Lukwebo. Et je suis passé encore pour la deuxième fois député national. Et actuellement député national. Vous êtes réélu parce que vous apparteniez à la famille politique Kabila ou parce que la population vous fait confiance? Parce que moi, j'aimerais bien comprendre. Je vous amènerai les images. Comment je suis aimé par le peuple des Congolais d'abord, des deux, par le peuple tanganyikais de Kalemie. Pour la première fois, on m'a préparé le chipoy, j'ai refusé à Kongolo. J'ai mis l'effigie du président honoraire Kabila. Moi-même, j'ai fait le pied avec la population jusqu'au stade. Deuxième fois, mêmement. Maintenant, pour le troisième chipoy, lors des élections de 2018, et comme j'étais combattu par le noyau du PPRD, je me suis senti en insécurité. Honorable. À Kongolo. Honorable. C'est pour cela que je suis parti à Kalemie. Honorable député, oui. Dites-nous la vérité. On vous demandait quoi au PPRD que vous ne pouviez pas offrir? Au PPRD, j'étais combattu par le chef de maison civile. Je le dis ouvertement. S'il va me porter plainte, nous allons nous battre. Bon, moi je pose des questions. Oui. Porter plainte. J'étais combattu même en 2011. Toujours le chef de maison civile. Et pourtant, vous êtes du même coin. Même coin, 11 km, son village est le mien. Et vous parlez presque de la même manière. Même langage, même langue maternelle, mais animé de mauvaise foi. C'est aujourd'hui lui qui soutient Kabila, le président honoraire, ex-chef de maison civile. Vous vous retrouvez à la FDC Bahati. À la FDC Bahati, à cause de lui, il a corrompu la morale de la famille Kabila. Pour que moi je sois écarté de la course. Mais il a oublié que je suis serviteur de Dieu. Je n'ai pas demandé que je sois en politique. C'est Dieu qui m'a appelé en politique. Avec les œuvres que j'ai posées à Congo.
En conséquence, je viens de passer encore député, mais lui qui a monté ses coups, il est tombé. Lui n'a été député que dans le Parlement de transition. Oui. Il est passé en 2006, quand les gens ne se donnaient pas à la députation. Mmh. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui voit qu'il faut postuler pour être député et pour être mieux. Il est passé député en 2006. Donc, combattu là-bas. Combattu. Finalement, vous êtes dans Life déjà. J'ai lui laissé Congolo. Et il y a eu une guéguerre. J'aimerais qu'on aille un peu vite. Oui. Il y a eu une guéguerre au niveau politique. Parce qu'il fallait positionner les gens. Oui. Bahati Lukwebo entre en guerre contre certains membres du PPRD. Exact. Et vous, en ce moment-là, qu'est-ce que vous devenez? Je deviens membre de l'AFDC. Ah, et je suis parti battre campagne au nom de l'AFDC, du regroupement AFDC à Kalemie-Ville. Et la base de Kalemie-Ville m'a préparé un chipoy. De l'aéroport jusqu'au parti, j'ai rencontré un chipoy que moi je ne m'attendais pas. Honorable monte, on m'a transporté 2,5 km. Donc Honorable, vous avez descendu la photo de Kabila pour que vous vous montiez sur le chipoy. Non, non. Kabila n'était pas candidat président. Mais toutes les fois... Ok. Toutes les fois... Là, il était candidat. Oui, quand il était président de la République, okay. Je mettais la photo de Kabila dans le chipoy. Ok. Alors, quand là, il a déclaré... c'était Chadari. Et vous êtes dit... Moi, je ne peux pas soutenir un candidat de PPRD. Parce que moi, je ne suis plus au PPRD. Oui, oui, ils m'ont refusé. Vous êtes monté sur le chipoy. Oui, je suis monté sur le chipoy moi-même. On y va un peu vite. Mmh. Il y a maintenant guéguerre au niveau de la famille politique. Oui. Bahati Lukwebo, on dit qu'il n'est pas reconnu dans les textes. C'est finalement Nene Nkulu. Oui. Et vous vous retrouvez où? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est de bonnes guerres en politique. Mon autorité morale, jusqu'à preuve du contraire, reste Bahati Lukwebo. Pas Joseph Kabila. Non, non, mon autorité morale. Joseph Kabila, il est autorité morale des PPRD. C'est ça, c'est lui le président du PPRD. Ok. Chadar, il est secrétaire général. Mm-hmm. Mais moi, mon président du parti, c'est Bahati Lukwebo. C'est pas Nene Nkulu? Non. Nene Nkulu, la confusion est venue, est arrivée lors des élections, de l'élection du président de la, du Sénat. Président du Sénat. Ah. Le président Bahati voulait aussi, et il a aussi postulé comme candidat, mais le FCC, qui n'est pas un parti politique, a déposé aussi le ticket de Tambwe Mwamba. C'est de là qu'il y a eu maintenant de guéguerre jusqu'à écarter Bahati comme président de l'AFDC. Ah. Et on a donné Nene Nkulu. Nous sommes restés au Parlement. Tout le monde cherche à se retrouver dans la majorité. Mm-hmm. Nous sommes restés avec Nene Nkulu. Mais, avec l'allure des choses, jusqu'à preuve du contraire, la vérité finira par triompher. Donc, les documents qui nous ont amenés aux élections, il a été signé par le bureau de l'AFDC à Bahati Lukwebo comme président du parti. Vous, lorsque nous étions dans la séance de briefing, vous m'avez lu un verset. Oui. Est-ce que vous pouvez reprendre ce verset-là? Oui, je peux le reprendre. Je vous en prie. Merci. «
Monsieur le journaliste, il y a un temps pour tout, dit Ecclésiaste. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps de diriger, il y a un temps de se reposer. Quand vous avez dirigé pendant 18 ans et vous cédez le bâton à un successeur, accepte de vous reposer. Ici, je parle en tant que serviteur de Dieu. Ce message, c'est un message prophétique. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende et qu'il les mette en pratique. Et qu'il suive les conclusions qui sortiront de ma bouche. En tant que porteur de paroles inspirées, je peux vous lire. Je vous en prie. Exode 23, 20. L'entête. Instruction et promesse au sujet de la conquête du pays. C'est ça le sujet. L'entête plutôt du passage. Verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur les gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Chers internautes, dites amen là où vous êtes. Pasteur, c'est un message quand même fort. Il est si fort. Oui. Il est destiné à qui? Ce message, il est destiné à cette période de guerre. Moi, j'appelle des guerres non fondées. Avec l'Esprit de Dieu qui me dirige, je ne parle pas n'importe quand, sauf quand Dieu me dirige, me dicte. Dis ça au Fils de l'homme, et je le dis. Ce message s'adresse au peuple congolais, représenté par les élus du peuple. Tous ceux qui se déclarent élus de 2006, de 2011, de 2018, nous, ce passage, ce message nous concerne tous. Nous devons l'avaler avec beaucoup de joie. Et il faut faire le choix apparemment. Il n'y a même pas de choix à faire. Ici j'impose, parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle à moi. Gare à celui qui ne mettra pas en pratique ce que je déclare aujourd'hui. Le peuple souffre. Si le peuple souffre, ce peuple a voté ses dirigeants, qui sont les élections. Aujourd'hui, nous avons les élections de 2018. Il y avait combien de candidats, monsieur le journaliste? Beaucoup.
Est-ce que ce n'est pas un miracle si Félix est arrivé et est devenu président de la République? C'est un miracle. Et c'était prédestiné par l'Éternel. C'est la volonté de Dieu. Tout pouvoir vient de l'Éternel. Chez l'Éternel, il n'y a pas de hasard. C'était préparé. Félix Tshisekedi n'était pas du tout attendu là-bas. Être président de la République, vous pouvez faire des années et des années jusqu'à la mort et vous ne le serez jamais. Vous ne serez aucun jour appelé président de la République. S'il est président de la République, c'est un élu du peuple, un élu de Dieu. Donc dans le livre de Dieu, des présidents congolais, Dieu savait que qu'en 2018, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui sera président de la République. Voilà le passage ici, nous déclare, c'est lui l'ange du Congo. Nous sommes appelés tous de l'écouter et de suivre le chemin là où il nous dirige. Pendant les 18 ans, nous avons accepté tout ce que Kabila nous dirigeait, nous dictait. Parce que c'est lui qui était l'ange pendant, le moment, pendant cette période. Aujourd'hui, ils ne sont pas à deux. Il est seul. Vous êtes un député FCC, attention. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Celui qui a des oreilles pour écouter doit écouter et mettre en pratique ce que je parle. Et ce passage, les élus du peuple doivent le lire et rester comme une récitation dans leur vie et le propager à d'autres élus du peuple. Est-ce qu'il faut craindre que ceux qui vont s'opposer aujourd'hui au président de la République, qui selon votre message est l'ange de Dieu aujourd'hui pour le salut du peuple congolais, que ces gens qui vont les résister rencontrent la colère de Dieu? Mais oui, l'union sacrée de la nation prônée par le chef de l'État, c'est un message prophétique qui ne connaît pas que le peuple souffre. Qui ne connaît pas que le peuple souffre? Qui ne connaît pas qu'il y a blocage? La machine a bloqué. L'article 69 dans la Constitution, ici je vous parle du passage biblique Exode 23, 20-21. J'ai mis l'ange devant vous. Il faut l'écouter et suivre ses directives. Celui qui ne veut pas l'écouter, il ne va pas pardonner vos péchés. Celui qui va le suivre, il sera ennemi de tes ennemis. Il sera ennemi de ceux-là qui jettent les pierres sur toi. Félix Tshisekedi va pardonner ceux qui vont revenir. Oui, à la raison. Il ne va pas pardonner ceux qui vont résister. C'est une parole divine. C'est ça le message. Oui. Et ceux qui vont résister, ils pourront se retrouver sous la colère de Dieu. Oui. Et sous la colère des hommes. Oui. Le péché, Jésus-Christ, il est venu pour ça. Moi, je parle comme Jean-Baptiste. Je laisse Félix Tshisekedi comme Dieu, comme le garant de la nation congolaise. Moi, j'avertis mes frères et sœurs qu'on n'attende pas la colère. Tu es élu député national seul dans ta circonscription.
Tu as fait de tes dépenses seul. Et non des ambitions politiciennes non fondées qui ne sont pas en faveur du peuple qui vous a mandaté. Le peuple souffre là-bas. Au lieu de parler en faveur du peuple, vous voulez soutenir les erreurs. Qu'est-ce que vous considérez comme les erreurs? C'est le FCC? Les erreurs, ce sont les discours que j'ai entendus. Pas seulement, je ne veux plus parler de FCC. J'ai entendu les discours par-ci, par-là, que le chef de l'État... Droit au but. Oui. Donc l'erreur, aujourd'hui, il faut considérer que l'FCC, c'est l'erreur. L'FCC, c'est l'erreur. Qu'il faut corriger. Il faut les prodiguer des conseils. Parce que la colère du chef ne s'enflamme pas. La Bible est claire. Hein? Si vous faites pour contrecarrer, croyant que vous allez vous éterniser, attention avec le plan de Dieu, comment il est devenu président de la République. Comment il est devenu président de la République, c'est Dieu qui l'a envoyé. Obéissez-le. Acceptez ce qu'il dit pour le bonheur du peuple congolais. Nous allons terminer par là, cher député, mais j'aimerais qu'en une minute ou quelques secondes, que vous puissiez y aller dans votre conclusion par 1, 2, 3. Merci. Qu'est-ce que le peuple peut retenir? Merci, monsieur le journaliste. Je suis parti de la parole de Dieu. Que le message, que le message sortant de certaines autorités pour influencer les élites du peuple de ne pas soutenir l'union sacrée de la nation, nous attendons à une malédiction. Si l'union sacrée n'arrive pas à réussir, attendons-nous à une malédiction, mais avec l'aide du Seigneur, ça finira par réussir. Parce que avec Dieu, nous vaincrons. Comme c'est un élu de Dieu, c'est Dieu qui l'a mandaté pour diriger ce pays, nous sortirons toujours vainqueurs. Inconstitutionnalité. On cherche des crocs à jambes au chef de l'État. Qu'est-ce qui n'a pas été fait pendant les 18 ans? Quand vous donnez la pension à quelqu'un en 2008, je ne veux plus citer les noms des gens. Et puis vous le reprenez encore en 2015. Pourquoi on n'a pas parlé de l'inconstitutionnalité? Quand quelqu'un est président à la cour, vous le sortez de la cour, il devait conseiller chargé de corruption, de l'anticorruption. Ce n'était pas une inconstitutionnalité. Quand vous sortez quelqu'un de la Cour constitutionnelle, président de la Cour constitutionnelle, vers le Conseil d'État. Pourquoi on n'a pas parlé de l'inconstitutionnalité? Moi, je vous dis, j'ai assisté à la prestation des serments des juges dans la salle, mais je suis de l'FCC. J'ai fait exception. Je suis parti comme serviteur de Dieu. Nous devons soutenir ce qui est juste, ce qui est noble,
pour l'intérêt du peuple qui nous a mandatés. Nous sommes mandatés par le peuple. Merci beaucoup, cher député. Et je demande, monsieur le journaliste, pardon. Je vous en prie. Je demande aux collègues qui me suivent. FCC, vous me connaissez. J'étais un coq, j'ai cessé de parler. Si je parle aujourd'hui, c'est toi qui viens de me pousser. De passer au plateau pour parler de ces choses. Je vous exhorte, nous sommes 500 élus du peuple, d'emboîter mes pas. Suivez ce passage, chers collègues. Allons vers l'union sacrée de la nation. C'est pour votre intérêt. Vous êtes un élu du peuple. Vous n'êtes pas élu d'un individu. Allons tout droit vers la vérité. La vérité, c'est l'union sacrée. C'est le grand bateau avec un seul capitaine. Si le bateau amène deux capitaines, le bateau risque de chavirer. Je demande à ceux-là qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Merci beaucoup, honorable. Ça sera le dernier mot. Chers téléspectateurs, chers internautes, merci beaucoup de votre attention. Vous suivrez ce magazine sur votre télévision 10e rue. Vous allez nous suivre également sur Congo Market Télévision et sur d'autres médias partenaires. Nous avons été contents d'avoir sur ce plateau le député national, le révérend pasteur Eustache. Nous allons bien entendu le retrouver peut-être prochainement pour écouter de plus en plus ce qu'il a comme révélation, mais aussi ce qu'il a comme conseil à donner pour que les gens ne périssent pas. Parce que on a parlé Bible ici, du temps de Noé, Dieu avait envoyé un messager. Du temps de Lot, Dieu l'avait envoyé comme messager. Et aujourd'hui, peut-être, qui sait si, pour éviter la malédiction, comme il l'a dit, il faut entrer dans le bateau. Restez bien chez vous. Et à la prochaine. Ciao.